26 juillet. Nous sommes cachés dans une ferme à l'extérieur de Marigny. Je ferme les yeux et je pense à Hazel. Mais je finis par faire encore le même rêve. Arrête, tire-lui dessus! Toujours le même cauchemar. Plus ou moins, ouais. J'arrive pas à m'en défaire. Ça va. Repose-toi. Non. Faut que je montre à Pearson que je suis prêt. Je me fous de ce qu'il peut dire. Toi, t'as rien à prouver à personne. Ouais, mais tu sais quoi, j'en ai marre qu'ils s'en prennent à moi. Chez moi, quand t'as un problème à régler, t'y vas pas par quatre chemins. Et c'est comme ça que tu te fais respecter. Ouais, je comprends bien. Tu peux me croire. Un homme doit savoir mener ses propres batailles. Mais le respect va pas te servir si tu te fais buter. En tout cas, je te remercie pour le coup de main. Et puis, ce bon vieux Saint-Michel veille sur nous. Alors crois-moi, il peut rien nous arriver de mal. Je savais pas que tu croyais à ce genre de truc. Ah, tu sais, moi je prends tout ce qui peut aider. Bon, tu vas me le raconter, ce rêve? Ou pas? Des loups s'attaquaient au bétail. Moi et mon grand frère Paul étions partis les chasser quand c'est arrivé. Arrête, tire-le dessus! J'essaye! Tu vas bien? Je suis désolé, Paul. Écoute bien, frérot. C'est normal d'avoir peur. Allez, on fera mieux de rentrer, petit frère. Depuis ce jour, j'ai juré de ne plus jamais laisser tomber Paul. Mais maintenant, ce n'est plus lui que je dois satisfaire. C'est Pearson. À couvert! Vite! C'est Turner qui mènera la manœuvre sur la place. Notre boulot, ce sera de le couvrir depuis cette église. Pas de question? Bien! J'ai une question! Garde-la, Stiles. Ça te fera un bon point. Allez! Je crois que je suis son chouchou! Merde! Ils font un tir de couverture sur la gauche! Les autres contournement par la droite! Merci! Emparez-vous de cette maison! On y va! Du coup! Putain! Wow! J'ai pas intérêt de me planter quand je vais lancer la grenade. Hein. Et dès que je l'ai lancé, il y a eu le tir d'artillerie ou d'aviation, je sais pas trop. Y'a un mec en bas. Et hop! Il en a d'autres ou pas des grenades lui là? Ah, j'ai plus de mun. Je récupère un truc allemand là. Ok, donne-moi ça. Merde! Hey! Allez! On y va! Fasse gaffe aux munes, hein. Ah, c'est quoi ce fusil? Vas-y, je prends. Tant mieux avec ça pour l'instant. On va garder le Thompson pour le contact à l'intérieur. Merde, il est encore en bas là. Je soigne. Il est derrière la table ou pas le mec? Non, il est là. Je suis à 5, je recharge! Daniel, j'y vais! J'assure tes arrières!
Qu'est-ce que c'est ça? D'accord. Envoie du soin, s'il te plaît. Merci. Principalement dans l'approche. Attends, on va faire mieux. Ah, faut pas que je tire, mette ça sur l'église, sinon il n'y aura plus d'église. Vous entendez? Ah, j'ai déjà plus de mun. Waouh! Il y avait un quart tout à l'heure là, hier. Blessé à découvert, ramenez-les à l'abri. Daniel, tire-les de là, je te couvre. Oh. Alf-track, Alf-track. Toute la rue est bouclée. Il nous faut des fumigènes. Oh, ils l'ont pas eu, l'Alf-track. J'ai eu. C'est bon, ils vont la voir. Mais il y a un mec à côté de vous, les gars. Mais ils sont sérieux, non? Il est mort ou pas? Oh, il a disparu. Par contre, je veux bien que tu m'en... Oh merde! Bon fait, ah, c'est fumigène. Et il est où? Il est parti où, mon pote? Je veux pas... Putain... Envoie les jumelles. Indiquez-moi où il se trouve. Ah, d'accord. Ah, ok. C'était ça, la capacité de tout à l'heure. Je viens de comprendre. Envoie du soin, Usman. Merci. Les flics sont en mouvement. Lancez une grenade. Préparez vos armes. C'est l'hydra. La voie est libre. Ok, Daniel. Attends, j'ai quoi comme arme? Ok, j'ai mis à Thompson. Il... Qui peut me donner des munes? Il est où celui qui peut. Ah, y'a personne qui peut me donner des munes. À la porte de l'église avec moi. Je peux plus marcher. Il est où le mec qui me dit j'ai besoin d'aide? À la porte de l'église. Ok, ok. Je crois qu'il fallait le sauver, moi. Et dans l'église? Ils sont passés où? Ils ont dû fuir en nous entendant arriver. Les munes. Les poches ont laissé de l'équipement. Ravitaillez-vous avant qu'on aille voir dans le clocher. Hey, Zeus, pourquoi les juifs vont pas à l'église? On va à la synagogue. Quoi? Tu sais quoi? Ça pue l'embuscade quand même, on est d'accord, hein. Merde! Mitrailleuse au premier étage! Oh, à couvert! Manquez-vous! Un point! Deux chances! On arrive par derrière! Attends. Hop! Renverse la table, vite! Recharge. Oh putain. Plantez-vous tous. Baissez-vous et contournez-le. Et bon, on l'a eu, t'énerve pas. Je pense que je vais devoir progresser un peu. Je sais pas si c'est possible, on va voir. Allez, on teste. Avancez! On doit prendre cette église! Dégagez-les! Merde. Oh bâtard! Il est où? Laissez-moi passer! Et les potes, merci d'être venus m'aider. C'est sympa. Merci. Et où ton pote? Merci, il était là. C'est bon, la voie est libre. L'église est à nous. Daniel va jeter un coup d'œil à ses canons. Ouais, Daniel fait ci, Daniel fait ça. Bon chabat, nos chasseurs. Zussman, Ayalo, à l'assaut de ses canons. Oui, sergent. Daniel, Stiles, vous les protégerez du clocher avec moi. Content de te savoir là-haut. Fais de ton mieux. N'en fais pas, je te couvre. T'as intérêt. Tout le monde à l'escalier. À l'aide.
Allez, on monte à l'étage. On va aller dans le clocher, c'est ça? À l'échelle! Écarte-toi de la fenêtre! Ok, ok. Oh, excuse-moi, garçon! Je me soigne, t'énerve pas, chef. Il blague vraiment pas, le chef. Et? Ah, pardon. J'espère que personne n'a le vertige. Ça changerait quelque chose? Non! Allez, drop! Et là, tu révèles pas la position, peut-être? Waouh! Bon, ils sont en mouvement! Couvre-les pour qu'ils puissent détruire ces canons anti-aériens! Poche près de la voiture qui brûle! Allez! J'élimine les Allemands! On recharge! Ok, bien reçu! Ennemis près de la voiture en feu! Ah, il en reste encore un. Sniper, sniper, sniper. Ils ont combien de snipers, les mecs? Aïe. Il reste un canon anti-aérien dans la cour. Il n'y a aucun servant, mais ouvrez l'œil. Ils sont coincés. Ils ont atteint le canon anti-aérien. Je le vois. Putain, vise la tête, Tipex. Vise la tête, Tipex. Merci. Je sais, je me parle à moi-même. Abalez. Joli tir. Ouais. Quoi, les ils départs de tir, ah, ils en ont eu un. GG. Dégage dans le passage. Malfrappe en mouvement sur la place. Nos gars sont coincés. Vise leur tourelle. Ça va, je prends des tirs, mais c'est pas trop méchant. Allez, recharge vite. Attends, vite, vite, vite. Tire par là. Tu l'as eu. Tu peux plus bouger. Vise ces postes de tir. Faut que tu protèges ton gars. La voie est libre. Il se rapproche des canons anti-aériens. Voilà sur les toits. Faut pas leur céder les positions en hauteur. Ils sont. Pour les toits, elle a dit. Ok, vision. Intensifie le tir par là. Bien joué. Merci. Daniel, il y a des poches au bout de la rue. Aïe. Merde. Ils sont canardés par derrière. Alfrac derrière eux. On a un avion qui a été abattu. Alfrac. Ils vont être cernés. Merde, j'avais pas vu. Achève-le. Ils sont encerclés par les Allemands. Enlevez-le. Il est toujours debout. Putain, les mecs, y'a pas que moi qui dois tirer sur lui, hein. Qu'est-ce que c'était? Waouh. Sans doute Turner. Viens, continue. Ouvre-les. On est les renforts qui sont arrivés. Elles vont détruire ce canon là. Ah, je vois plus grand chose là. GG. Ok. Oh, waouh. Je suis là. Accroche-toi. Non. Wow. Sortez de là. Putain, faut se barrer là, vite. Mais glisse, mec, glisse. Saute. J'ai pas fait un truc, quoi. Chef. Oh merde. Oh putain!
Allez. T'es marrant, toi. Je viens de me faire broyer les jambes par une poutre. Eh bah dis donc. J'ai des ailes dans le dos, soldat. Non, sergent. C'est parce que je suis pas ton putain d'ange gardien. Nom de Dieu! Je viens juste de perdre deux bons soldats! On doit se ressaisir et détruire ces maudits canons! Allez! Ok, chef. Je vois pas Jusman! Bordel! Ils étaient ensemble quand tout s'est effondré! La meilleure chose à faire, c'est de maintenir cette position! Attends, bouge pas! Attends, c'est quoi ça? J'ai des grenades en réserve, s'il faut! Tenez votre position! Point de tir de couverture. Merde. Tir de suppression. Je pense que je le touche pas. Ouais. Il est trop loin. Le canon est toujours opérationnel. Ok, attends, je sors un autre fusil, ce sera plus efficace. Non, pas ça. Merci. Ils prennent l'escalier d'assaut. Les Boches vont tout donner pour prendre notre position. Repoussez-les avec ce. Par l'MP40 là. On sera mieux avec ça. Bien sûr, ça passe pas les barbelés. T'as pensé à ta gueule? Trousse de soin. Ah, j'ai fait crever, merde. Ah, putain! Ça nous flanque! Couvrez notre flanc gauche! Ah, je peux pas couvrir le flanc gauche et le flanc droit à l'ami. Hein. Envoie ça, toi, là. Allez. Putain. Qui a des munes. Oh, putain. Pff, obligé de tout faire. Flanc gauche, flanc droit. Je vois pas Jusman. Je veux juste récupérer un fusil qui soit efficace là parce que et que j'ai des munes, parce que là j'ai rien du tout. Ok. Ces vols doivent pas monter ici. Renvoie des grenades, s'il te plaît, garçon. Merci. Envoie si t'en as doute. Continuez à tirer. Ce canon est toujours opérationnel. Ça se passe de l'autre côté. Les Boches vont tout donner pour prendre notre position. Recharge. Repoussez-les avec ce lance-flamme. Entendu. Ça va attaquer sur le flanc gauche. Voilà. Mais non, mais c'est n'importe quoi ça. Putain, chef. C'est incroyable ça. Il est juste devant vous, chef. T'as pas des grenades, garçon? Tiles, envoie les grenades. Sur la gauche. Oui, sergent. Et voilà, j'ai plus de mun. Merci. Il me semble avoir vu, c'est bien ce que j'ai vu. MP40 par terre. Envoie la MP40. Envoie la MP40, merci. Faut que j'arrête de recharger aussi. J'essaie de faire le plein de mun. Faut que je me soigne. Plutôt deux fois qu'une. Envoie. Maintenant. Ouais, vas-y, envoie. Balance une grenade.
Merde, fumigène rouge, il a dit. Est-ce qu'il est rouge celui que j'ai envoyé? J'en sais rien du tout. 4 ou E. Ça arrive derrière, je suppose. Allez, lance-la. Ah, merci. Allez, l'artillerie, allez, 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 faites votre boulot là. Ok. Oh, chef, ça monte à gauche. Ah non mais... Oh putain. Les P47 ont fait le ménage. Mon gars, toujours en vie. Bien joué les gars. Vous avez vraiment tout donné. Ces fumiers sont en fuite. Ça c'était du beau boulot, soldat. Ils sont bien tirés, vous trouvez pas, sergent? Peut-être que vous vous trompiez sur eux. On s'économisait les gars. J'ai été trop coulant alors. Et bien on va voir ce que vous avez dans le ventre. Toi, je t'aime pas, toi. Si on lui apportait la tête d'Hitler sur un plateau, il se plaindrait quand même. Si on continue de se battre comme aujourd'hui, la guerre sera terminée en moins de 2. C'est pour ça qu'on doit sortir le grand jeu maintenant. D'accord, ça marche. Nous avons réussi à prendre Marigny. Les Allemands battent en retraite aussi vite que l'on avance. Mais on est plus que jamais dans le collimateur de Pearson. Je sens qu'on n'a pas fini d'en baver.